bravo, Mr. Cash. November, first class. Le président de chaque club, Papa Nanounès, Jacques Jinja, Pati Bokamba, Mama Wifa, Alex Fumunzi, Thierry Kieri, Madoba Mato, Guilain Milambo, Gemer, Serge Mefan à côté, le petit Pamou, Yacente Monangani, Zouli Zulema, Lisa Razou. Mija chez Mariam Diaby, 262 Allée de la Gare, au Mai sur Seine, en face des Leader Price. Salon de beauté Mija chez Mariam Diaby. Chez Mariam Diaby, spécialiste de la coiffure afro-antillaise, mèche, tresse, tissage et autres, maquillage, pose d'ongles. Chez Mariam Mija, coiffure homme, femme et enfant. Salon de beauté Mija chez Mariam Diaby. Contact 06 23 74 84 07. Salon de beauté Mija chez Mariam Diaby. Salon de beauté Mija chez Mariam Diaby, 262 Allée de la Gare, au Mai sur Seine, en face des Leader Price. Chez Mariam Diaby, spécialiste de la coiffure afro-antillaise, mèche, tresse, tissage et autres, maquillage, pose d'ongles. Chez Mariam Mija, coiffure homme, femme et enfant. Contact 06 23 74 84 07. Salon de beauté Mija, chez Mariam Diaby. Bonjour, je suis Mariam Diaby, propriétaire du salon Mija Beauté.
272 de l'allée de la gare, comme M. Sen, du lundi au samedi, de 9h30 à 19h. Je serai très heureuse de vous accueillir avec toute mon équipe pour vous faire coiffer. Nous faisons des tissages, des tresses, des peaux ongles, cils et coupe homme. Le contact, c'est le 06 23 74 84 07. Je vous attends avec impatience et puis à bientôt et merci. Salon de beauté Mija chez Mariam Diaby. Est largement déroulé et autorisé à marcher aujourd'hui. Balthazar, le patron du groupe Baltazic, ancien sociétaire du groupe Quartier Latin Intégral, dirigé et fondé par Le Boukabouya en novembre 2001, un groupe composé essentiellement des dissidents du groupe Quartier Latin de Kofi Olomide, le grand Mopao, c'est-à-dire que pas Balthazar ou Oyambalelo, Abandal Bosona Group, il y a Le Boukabouya, Quartier Latin Intégral et Quartier Latin Intégral, nous voyons qui est dans la mission, qui est pas Kofi, c'est le groupe Nabamoukou. Donc, Recto Verso étant une émission interactive, vous pouvez donc composer le numéro de notre, vous pouvez composer notre numéro qui est le 01 64 38 54 68 pour poser toutes vos questions à notre invité. Je tiens absolument à ouvrir mon émission par à souhaiter mes condoléances à deux familles qui ont perdu leur cher membre de la famille, notamment à la famille de Guy Rambeau qui a perdu sa sœur qui est artiste photo, qui est décédée il y a de cela une semaine. Sans oublier Léon Manadja qui a perdu aussi sa sœur. La veillée se tient à Boussy-Saint-Antoine. Donc voilà, je tenais absolument à présenter mes condoléances à ces deux familles. Guy Rambeau qui est le mari de HAPSA. Donc toutes mes condoléances. Avant de vous mettre au parfum de news des artistes afro-congolais et après Sion son de tour, notre coup de cœur de la semaine, signé aujourd'hui Kofi Olomide, le grand Mopao. Donc on va ouvrir notre dossier. Le bravo, Mr. Cash. November, first class. Le président de chaque club. Associé, l'empereur Tchatcho Mbala Kachogi. Ah, Badiame Bélé, le roi la paraprise à car arrière et Panzani. Mais peut-être ça veut dire. Salon de beauté Mija, chez Mariam Diaby, 262 Allée de la Gare, au Mai sur Seine, en face des leaders Price. Associé, Nangaï, Kalanenge, Manoko, et Boy, Lokuta, et Refoulé, et Payamiso, Miso Pelo. Bimba kote linga ina midi.
salon de beauté Mija chez Mariam Diaby. Chez Mariam Diaby, spécialiste de la coiffure afro-antillaise, mèche, tresse, tissage et autres, maquillage, pose d'ongles. Chez Mariam Mija, coiffure homme, femme et enfant. Salon de beauté Mija chez Mariam Diaby. Contact 06 23 74 84 07. Salon de beauté Mija chez Mariam Diaby. Salon de beauté Mija chez Mariam Diaby, 262 allée de la gare au Mai sur Seine, en face des Leader Price. Chez Mariam Diaby, spécialiste de la coiffure afro-antillaise, mèche, tresse, tissage et autres, maquillage, pose d'ongles. Chez Mariam Mija, coiffure homme, femme et enfant. Contact 06 23 74 84 07. Salon de beauté Mija, chez Mariam Diaby. Je suis Mariam Diaby, propriétaire du salon Mija Beauté, 262 de l'allée de la gare, premier sur scène. Nous sommes ouverts du lundi au samedi, de 9h30 à 19h. Je serai très heureuse de vous accueillir avec toute mon équipe pour vous faire coiffer. Nous faisons des tissages, des tresses, des posons, cils et coupe homme. Le contact c'est le 06 23 74 84 07. Je vous attends avec impatience et puis à bientôt et merci. Avec son de coiffure qu'elle a, Monsieur Sen. Maloni Mouchimaka, non, à Malo. Autre malassa, il y a un salon avec Romna, 260 allée de la gare. Aïna canafle, Aïna manaka de Kunke, Aïna canafle dron, Provina Djani, Aïni Sou, Aïambe. Salon de beauté Mija chez Mariam Diaby. Nous, le recto verso,
et nous d'ici d'ailleurs, et notamment l'album Le Secret de Lita Bimbo, 6 titres dont les remises d'anciens succès, sorti avec Stukas Boys. Donc, en véritable bête de scène, Lita Bimbo, Libeki, avait marqué l'échiquier musical congolais dans les années 70 et les années 80, tenant la dragée haute à des groupes huppés tels Zaiko Langa Langa. Donc voilà pour les news de ce que j'avais à vous raconter. Et je veux rentrer vraiment dans les news, où ce qui m'intéresse vraiment. Vous tous avez suivi la semaine dernière, je vous annonçais les obsèques de Monsieur Mbuta Mashakado. Donc Monsieur Mbuta Mashakado a été inhumé ce mercredi à Kinshasa, au cimetière de Benseke Fouti, nouvelle cité. Les musiciens du clan Langa Langa qui ont rendu un hommage mérité en qualité d'un homme de culture chorégraphe et de grand artiste musicien. Et Papa Wemba a saisi l'occasion pour témoigner larmes ruisselantes sur les joues sur l'illustre disparu au nom de tous les musiciens du clan présents à la cérémonie funèbre. Les observateurs n'ont pas manqué de soulever le fait que les musiciens congolais ont fait une fois de plus preuve de division en ce moment de la disparition d'une figure de proue du clan Langa Langa, à savoir Yambuta Brown. Donc si l'absence du chanteur Evoloko Atumu, dit le joker, présent à Kinshasa, a été une fois de plus déplorée dans les rangs de la génération Wenge, seuls les artistes musiciens Adolphe Dominguez, Tata Mubich et Blaise Boula étaient sur place pour réconforter la famille. Donc c'était pour vous dire que Mbuta Mashakado Bakundaki ce mercredi, na cimetière Yambete Kefuti, nouveau cité. Donc tout le clan de Zaiko Langa Langa était bien là, notamment Papa Wemba aussi, avec un assez témoignage, avec des larmes sur les joues. Il a pleuré parce que c'était un ami à lui. Donc tu vas observer quand même que Josser, le Evoloko, Atiamo Joker, Azaki présenté, bon, c'est pas pourquoi. Et musicien, il y a le clan Wenge, il y avait Adolf Dominguez, Tata Mubich. Et Blaise Boula, qui n'est rien d'autre que le président intérimaire de l'UMICO. Donc voilà. Et nous avons normalement notre directeur, notre envoyé spécial de Kinshasa, notre, qui est rien d'autre que notre directeur général, M. Joseph Poulou, qui va tout à l'heure nous expliquer, parce que lui, il a assisté aux obsèques, il va nous dire exactement ce qui s'est passé. Je rappelle que Mbuta Mashakado aurait eu le 10 mars 1952, donc il est mort pratiquement à la 59e année d'ailleurs. A qui il va dans les bébés et surtout, il est l'un des rares musiciens où le Congo d'ailleurs et quand du Congo il y a danse. On a dansé Mashakado au bas, et puis donc avec Zaiko, et puis Mashakado Samuita avec Yoka le Collet. On va souligner que mardi juillet, jour, il y a mon bacchéné au Kounaï, donc avant, en permanence, à 13h, pas entière d'Aïko, notamment Papa Wemba, Chou Wolbadio, Simeon Mapuela, Gina Wajina, Bébé Félix, à Mataki sur scène, pour pas interpréter Mathieu en amoureux, il y a Tala. Donc, il y aura fait partout que les Molokos. Notamment, la femme que Mbuta Mashakado a chanté dans Pays Mashakado.
Merci beaucoup, Monsieur Kouloulou. Donc, je pense que il y a pas. Oh, toi qui es là-bas, là, qui ça, ça, bah, nous, nous, c'est vrai qu'il y a un musicien, nous, sous, t'as, nous, sous, bah. Où chacun doit trouver sa juste place et sa voix, sa juste place et sa juste voix, a fait la pluie et le beau temps du groupe Quartier Latin Intégral, dirigé et fondé par Le Boukabouya en novembre 2001 à Kinshasa, un groupe composé essentiellement des dissidents de Quartier Latin, de Koffi Olomide, le grand Mopao, avec une voix qui unit les musiques comme le ciel unit les étoiles. Balthazar se prépare à mettre une bombe lyrique sur le marché des œuvres phonographiques. À cœur ouvert, il va se prêter à mes questions et à vos questions aussi. Recto Verso étant une émission interactive, vous pouvez donc composer le numéro qui est le suivant, le 01 64 38 54 68, pour poser toutes vos questions à notre invité. Donc, Balthazar, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, soyez le bienvenu sur le plateau de la radio Manguebo et notamment en face et phare à phare avec Raissa Oiseau Bleu. Merci beaucoup. Et pareil pour son producteur qui est Monsieur Doum, c'est ça ? Doumé. Donc, tous ceux qui veulent poser leurs questions à Balthazar, le téléphone est ouvert, allumé. Donc, posez vos questions. Je sais que nous avons eu quelques petits problèmes techniques, mais tout ça, on a remédié à tous ces problèmes. Donc, Balthazar, à quel moment avez-vous appris la grande décision de mener une carrière musicale ? Tant que nous occupons de la déclic pour l'éviter, il faut la pour ma musicienne dans sa carrière musicale. Bon, les gens qui n'ont pas ça, à l'époque, on voyait les vieux, comment ils jouaient là-bas, Tumsusu. Après, comme on avait un peu de voix à chanter, ça donnait envie d'essayer de faire la musique avec notre petit groupe à Kinshasa. Et voilà, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Quoi. D'accord. Bon, yo, bon, du saut de kick, du saut de la radio Manguebo, vous avez l'habitude d'avoir un peu de biographie et artiste de Yamba. Bon, comme on n'a pas pu vraiment mettre la main vraiment sur ta biographie, donc là, on a eu le moko ou expliquer aux auditeurs, ou expliquer aux mélomènes, aux gens qui ont minute, ou expliquer qui est Balthazar, et surtout pour aller au combat Balthazar, parce qu'on a eu le combat Tons. Et surtout pour aller au combat Balthazar, ou expliquer aux gens qui ont eu le baquet, nous avons eu la face et les gens. D'accord, bon. En fait, mon biographie, c'est la bande qui, première orchestre en avant, la Kinshasa, toujours bien, c'est bon musique. C'est bon musique, j'ai compris tout ça, la Kinshasa, dans le quartier Angili.
Après wana na eko kende osala ya moise na okese ya mama colonel ezaki mobali chef KMB. Bon na chanta avec ba masa na biso tout bayebi. Après wana na eko Europe. Mais en Europe, donc, et ça, les gens qui ont les goûts. Entre temps, ils ont formé l'orchestre quartier latin intégral, Volte-Face. Donc, j'étais présent. Et on a essayé, c'est bon. Les bois, c'est bon. On peut travailler ensemble. Et on a fait le premier album, Volte-Face, de Kitty Talo. Après, deux albums Vodou. Après, bon. Orchestre Kabwani et on a un côté là. Et on a fait dans mon côté, je suis resté avec mon frère à moi, que j'aime beaucoup Xogi. Donc on a pris l'idée de faire un groupe, un très bon groupe quoi. Et moi j'ai dit, bon ça va, on va faire un groupe. Et on a fait notre groupe aujourd'hui, Baltazik, qui existe en bon et différent. Donc si je comprends bien, le groupe Baltazik est composé notamment de Xogi, qui est un drummer de Tamon et un chanteur aussi, je pense. Oui, parce que c'est un frère qu'on vient du même côté, quoi. On vient des quartiers intégrales, donc c'est tout à fait logique comme il est avec moi. Oui. C'est comme un frère, c'est comme un cofondateur du groupe, quoi. Oui, d'accord. Voilà, mais qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi vous avez cette habitude-là? Je ne sais pas si tu peux être vraiment apte à répondre à cette question-là. Pourquoi vous avez l'habitude de créer des groupes et de vous séparer? D'abord, Quartier Latin Intégral Volte-Face, ça vient du groupe déjà Quartier, ça venait d'Academia, si je comprends bien. Ouais. Et Academia s'est encore séparé, s'est encore scindé en deux pour former le groupe Quartier Latin Intégral. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Quartier Latin Intégral Volte-Face se sépare encore pour aujourd'hui donner lieu à un groupe Baltazik? Donc, c'est que moi je peux expliquer. Napolo Baboui qui est quartier latin intégral. Bon, moi, j'ai un quartier latin intégral, tout à fait logique. Moi, j'ai un intégral parce qu'il y a un quartier latin, jamais joué à quartier latin. Donc, moi, j'ai un intégral. Et intégral, il y a un titre. Il y a un peu de titre. Il y a un titre. Auditeur, ou que le blessement, lui, bon, et après à la fin, il n'y a personne qui va venir répéter. Donc, orchestre, c'est quand même un bon, quoi. D'accord, ok. Donc, vous entendez votre premier groupe musical à l'issue d'un test, ou bien c'est un ami qui vous a favorisé des choses, donc vous venez d'expliquer. Comment avez-vous réussi à convaincre les autres éléments du groupe? Un groupe où il y a Quartier Latin Intégral, parce que le Boukabou a passé au test, a accepté. Mais est-ce que va membre le Moussous, parce que Bazaki va nous souper, vous êtes déjà dans Quartier Latin Academia, ou Bazaki dans le groupe, est-ce que vous avez dit que vous facilement vous êtes dans le groupe? Oui, parce que le talent est là, donc sous un talent là, quand tu devant les gens, c'est imposé, c'est tout. Donc, Nayaki, c'était un branche ouvert à l'époque, et en tout cas, c'est dur de répéter, on a fait les choses, quoi. Voilà. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a influencé comme musicalement musicien Nyamou, vous avez tout à l'heure que vous avez dit, mais musicien Nyamou particulièrement, où il y a appris ça que vraiment, pour ça, il y a Balthazar le comme un musicien. Bon, j'ai un sentiment en bêta. Bon, plus de force. Il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Après, je suis en train de me faire un bisou. Ou je suis en train de force. C'est ça, les gars, mon père. Donc, le système de travail, il y a un système de fer. Ça motive quoi. Ça motive qu'il y ait un chanteur. Pour ça, il y a des principes. Donc voilà. Je me disais que pas eu de temps pour que je ne me fasse pas de temps pour que je ne me fasse pas de temps pour que je ne me fasse pas de temps pour que je ne me fasse pas de temps pour que je ne me fasse pas de temps pour vous avez parce que nous sommes dans un moto de chocolat, il y a mon père au Penza et quand on a monté mes salaires qui le lobby a été, on a dit bon vraiment, on a fait notre programme ici. Oui, ils ont dit on dit on va coucou. Coucou comment ça va la photo t'es pour la scène, changera. Na comment est notre maman y est mon doto ya. Ben c'est moi là. Et ça là qui, bisous les loyo. On était des jeunes vraiment, ça nous a motivé beaucoup. Moko Yamakasi, donc c'est pas rien. Donc on va continuer avant de continuer.
continuer un tout petit coucou à tous mes vieux du Cosmetel et à tous ceux qui nous suivent, ceux qui sont chez Lema, Exodus, Aimé Bamontre, Vie et Burnin, tout ça. Je vous fais un petit coucou. Donc bonjour. Voilà. Donc, comment dire, une des chansons de vos artistes, Ovocho et Pisabiso, Kézaki, Koufé, Lémi, un petit coucou. Oui. Donc voilà. Nous sommes toujours là. Donc, vous comprenez, on a beaucoup posé la question à Bino, à Balthazar. Il est là, il a au répondre à ma question, tout. Que ça soit personnel, que ça soit la question musicale, il est là. Donc, en République démocratique du Congo, la rumba incarnée par l'actuelle génération de musique pose problème. On n'a pas le temps de savourer une gamme. On a un auditeur en ligne, donc on va l'avoir au téléphone. Allô, oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui. Oui, j'appelle parce que je voulais passer un petit bonjour à Thomas Balthazar. Oui. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de question. Oui, d'accord, mais allez-y, on vous écoute. Bonjour, Thomas. Bonjour. Oui. Bien, bien, tranquille, papa. Ça va, hein? Ouais, ouais. Allez. Ça fait plaisir, j'appelle juste pour vous dire que, ouais, on est avec toi. Je suis content que tu passes à mon niveau et puis pour les achever, c'est là, quoi. C'est okay. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Donc voilà, même pour faire un petit coucou, vous pouvez appeler pour faire un petit coucou à votre artiste pour que, qu'il soit encouragé, pour qu'il puisse savoir que vraiment qu'il y a des gens qui sont là derrière et surtout il y a des gens qui seront présents pour son concert du 16. On vient de trahir le secret, voilà, mais on va y revenir. Donc, Balthazar, Lelo musique rumba, au Benda, au Toye, Barabenda, rumba, yatan aba Wendo, yatan ou yaba, yaba Tino Barouza, yatan ou yaba Bowan, et ça, kapida rumba, nous au kapida Nzembo, nous au Bande, Bandelitina Souka. Mais Lelo, beaucoup marqué, Bandimo Nabino et Bandi, allez tout de suite, rythme yaropine, Toyo, l'album, na est-ce que, et aux alaba rumba, le roi génération Lelo, ou bien, on s'inspire un peu dans la rumba et maintenant on va Wendo. Parce que vous dites tout à l'heure que Wendo n'est pas inspiré. Bon, ouais, c'est vrai parce que on a eu dans le dernier Tzoubete là, Tzoubete a plus de rumba que moins de ça. Parce que la musique de rumba congolaise est comme il y a pour la Seben. Il faut que vous ayez un mandat pour comprendre le message que vous avez dans le peuple. Au petit peuple conseil, au petit baba, na colo, ba oko tout, au indiquer bon quelque chose. C'est pas que vous voyez mi on a ils ont mis après c'est bien les gars non. Chez moi c'est pas ça. Dans les 16 vraiment, oh yo. Bon ma soeur est allée. Bon ma soeur est allée. Alors oui bonjour. Oui allô bonjour. Oui nous vous écoutons. Oui je peux vous poser une question à Balthazar. Oui. On écoute. Oui, donc j'ai vu votre affiche sur Sabine, donc ça présente bien et comme j'ai pu comprendre, dans votre groupe est composé de plusieurs personnes qui ont déjà un peu d'expérience. Donc on peut s'attendre samedi 16 à un groupe qui va bien jouer en fait. Ouais, en tout cas vraiment. D'accord, ok. J'ai bien regardé sur l'affiche en fait, donc vous parlez de représentation, donc va participer le Tibusto pour être groupe, Ben Abino et puis pour ça représenter un Nabou, un Abastel. C'est possible? Oui, c'est possible, oui. Ah d'accord, ok. C'est possible. D'accord, ok. Bon, en tout cas, non, je te dis bon courage pour un samedi 16 et puis tout à présent, pour ton courage pour l'avenir. Ok, merci beaucoup, maman. Bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup, au revoir. Ok, merci, au revoir. Voilà, il y a des courageux qui prennent le temps d'appeler pour poser leurs questions à leur artiste. Donc, Balthazar, aucun doute, les chanteurs actuels disposent de quelques savoirs musicaux. Ils sont dénués de quelques imaginations. Or, l'imagination est bonne.
problèmes de la vie. Et c'est quoi la particularité de votre prochain album? C'est qui va marquer la différence avec les autres albums qui ressemblent aujourd'hui à des registres d'appel. Donc c'est-à-dire que Lelo Yo Olobini, album na Yo Lelo et Ozo Promet Bisonini. Est-ce que Tobinika Lobini, Simekoli ou Tobinana Papa, Rumba Moko bien enlacé ou comment? Non, je vous promets les bonnes choses. Vraiment, il y a une surprise très importante pour le Matbaye Bibiso depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et le Matbaye Bibiso dans la vie sociale normale. Donc, il y a une très bonne surprise. Il y a des très bons rumba. On a fait plus que des rumba que la semaine. Donc, tout à l'heure, vous avez un extrait, Maman Oiseblé, en chaîne de son extrait, pour comprendre comment nous on fait les textes, comment on écrit les textes. Donc, le texte, ça a changé. Ça a changé beaucoup de choses. Donc on a encore un auditeur en ligne décidément, vraiment. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui. Ben, je voulais poser une question à Balthazar, s'il vous plaît. Oui, allez-y, on vous écoute. En fait, je suis parlé de Nala. Oh, il n'y a pas de souci, papa. Au cours de Bamina. Ouais, parce que dans la Kunaï, question au gros, ce qui est. En gros, pas pour les points de travail. Ouais, pas de souci, les autres. Bonjour papa. Maman a posé une question à Balthazar. Oui, Tozo Yo Kayo. Donc, Albert, il est là, on va répondre à ma question. Nyoso. Tozo Yo Kayo, posez une question à vous. Bonjour, Master. Ouais, bonjour, bonjour. Fidèle. Ouais, Fidelina, c'est bon. Allô? Oui, Tozo Yo Kayo, posez une question à Tozo Yo Kayo. Maman, tu n'as pas eu ce spectacle à vous faire là. Ni il y a tout le monde qui est là. Bon, on a un spectacle qui est en salle à Nazo, des bons rumba et un bon spectacle. Donc, nous, on a besoin de se retrouver dans la rumba, vraiment, il y a très 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 bien. Aïa, tout coûte à la 16, à Mona. Ouais, il y a eu la soirée avec les amis, donc tout le monde était dans le château d'eau, tous les samedis là-bas. Donc le loup est pareil, quand on finit l'émission, tout le monde a une répétition pour nous préparer ce spectacle à Bissot. Vraiment, on sait qu'on a battu tout, nous avons la motivation, tout le monde trouve dans les 16 mois là, ils ont fait tourner les mois. Oh, bah, qui sont tous ces ça? Oui, obligé, parce qu'on a pas bien la poche dans la table, on a une question à poser. Oui, tous les occasions. Oui, alors bonjour. Oui, bonjour. Oui, en fait, moi c'est Rachid Mabilama. Donc en fait, je peux poser une question à Balthazar. Oui, on vous écoute, allez-y. Oui, en fait, parce que la dernière mission à Richard, donc d'ailleurs pour moi, après, c'est un maïs, donc comment. À répondre à qui n'a tout à l'heure, mais à répondre du sous-sous. Question de tous ces arts? Non. D'accord, bon, on va répondre à la question de tous. Merci beaucoup. Le bravo journaliste cash. November, first class. Le président de chaque club. L'empereur Tchatcho Mbala Kashogi, Badiame Bele, le roi la paraprise à car arrière et Panzani. Mais peut-être ça veut dire. Salon de beauté Mija, chez Mariam Diaby, 262 Allée de la Gare, au Mai sur Seine, en face des leaders Price. Associé Nangaï, Kalanenge Manako et Boilo Kouta, et refoulé Paya Miso, Miso Pelo. Salut
salon de beauté Mija chez Mariam Diaby. J'ai Mariam Diaby, spécialiste de la coiffure afro-antillaise, mèche, tresse, tissage et autres, maquillage, pose d'ongles. Chez Mariam Mija, coiffure homme, femme et enfant. Salon de beauté Mija chez Mariam Diaby. Contact 06 23 74 84 07. Salon de beauté Mija chez Mariam Diaby. Salon de beauté Mija chez Mariam Diaby, 262 allée de la gare au Mets sur Seine, en face des leaders Price. Chez Mariam Diaby, spécialiste de la coiffure afro-antillaise, mèche, tresse, tissage et autres, maquillage, pose d'ongles. Chez Mariam Mija, coiffure homme, femme et enfant. Contact 06 23 74 84 07. Salon de beauté Mija, chez Mariam Diaby. Bonjour, je suis Mariam Diaby, propriétaire du salon Mija Beauté, 262 de l'allée de la gare, au Mets sur Seine, ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 19h. Je serai très heureuse de vous accueillir avec toute mon équipe pour vous faire coiffer. Nous faisons des tissages, des tresses, des posons, cils et coupe homme. Le contact c'est le 06 23 74 84 07. Je vous attends avec impatience et puis à bientôt et merci. Avec son de coiffure qu'elle a, mes sous-sel. Je suis un homme qui a été à Malo. Autrement, il y a un salon qui a été à 262 allées de la gare. Il y a un salon qui a été à Malo. Il y a un salon qui a été à Malo. Il y a un salon qui a été à Malo. Salon de beauté Mija chez Mariam Diaby. Il est merveilleux, il est libellé, son calme, il s'y connaît.
grand frère, Strelly Mikobi, avec Arson Lazaïko. À l'époque, lui, il était grand frère, nous, on était des tout petits. Enseignement, on a moi guitare, moi yemba et tout ça. Et on a ma Kofi, on écoutait, ma Vewendo. Ça m'a motivé beaucoup de choses. Merci pour toi. D'accord. Ok. Donc, comme je voulais le dire tout à l'heure, vous te répondez un mot. Au vu qu'on promet que Zaka a été Simba, animation sur animation, bah, rumba, bah, rumba. Quel type de rumba? Parce qu'il y a rumba et rumba. Bon, nous, c'est des rumba, rumba éducatifs. Ce n'est pas des rumba une politesse. Mm-hmm. Non, chez nous, ça n'existe pas. Parce que tout le monde a la famille bien, il y a des choses qu'il faut, ça concerne en 1960. Donc, il y a des choses qui sont conseils, na batou baoya, tout le monde a des exact. Ok, mon tout soit yoki, et corrigé, la macambo, mon tout soit évité. Donc, il y a des choses qui sont conseils, sur la base des autres conseils, ben nous le. Moi, je conseille, mais on a des messages moins importants. D'accord, ok. Donc, toi, son auditeur en ligne. Allô, oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, oui, il n'y a pas de souci, papa. Posez des questions là-haut. Ok, bon. Mais. Voilà, la Balzac. Oui, Balthazar, oui. Non, Balthazar, il y a un président Pékin. Ouais, ouais, président Pékin. Président Pékin, en direct. Ok, bon. En tout cas, c'était le monde qui affiche là-haut partout. Ça concerne les 16, mais bon. Question de sous César, papa. Question de sous César, amour. Tu y qui va te faire qui va concerner ce sous. Et je vais t'amener, mais va quand même comment il y a mes lèvres qui vous allez. On lui dit, il va y avoir des réserves bien préparées. Pareil, il va comme moi, il va concerner ça. Il y a des qui veulent avoir mes lèvres vraiment et vous allez. On est vraiment artiste qui a tiré des sous sécurité, mais vous allez concerner. D'accord. Merci beaucoup, Azo, répond tout de suite. Merci, au revoir. Bon. Na promettre bino quand on est à l'obafi, na promettre bino beaucoup de choses, beaucoup de rumba congolais, beaucoup de spectacles. Il y a au moins la danse, c'est pas ça, la démonstration, il y a très 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 bien. Et pour la cas et pour la concert, je vais t'en mettre. Bon, on a la une dans ma moitié, on a avant la photo, la une dans ma moitié où son unité n'a été. Bon, la vie, ce qui m'a ça, la boulot la bango, ça peut boulot la bango. Donc pas de problème, quand tu as les 16 nous allons, tu as conservé le à bon effort. D'accord, ah, merci beaucoup, papa, merci. Néo, soutenir Bissot, vraiment, c'est très gentil, merci beaucoup. Aux armes, tout n'a tout n'a musicien, n'a Bissot invité. Merci beaucoup, en tout cas, c'est gentil la question que vous posez.
Moi, ta carrière solo, j'ai un groupe composé de 22 musiciens et tous en France. Donc, je ne suis pas le seul dans quatre orchestres. Moi, je suis dans un cours d'orchestre, mais je travaille à on est tout en complet, on est 22 musiciens. Donc, tous en concert les 16 dans le Melun, et il y a la bombe des groupes qui va et le mois de décembre. Donc, vraiment, ils ont aidé moi, madame, ou ma pina zoaka. On a négocié le bilan vraiment le monde qui est vraiment et nous on a sali pesa moi bien parce que idéal nous on a zari normalement déjà avant donc j'ai un groupe et tout travaille ensemble quoi donc on a tous les chanteurs qui habitent en France ou bah ça à l'autre ou bah on parler ils ont rien à faire porte ok c'est ça pour les bah on est à Château d'Eau Studio Blé tous les samedis là de 18h à 22h tu répètes ça ils peuvent venir bah tenter chance dans mon ta groupe et on fonctionne ensemble quoi pas de souci merci. Vous avez une question, Moussoussou, papa? Allô? Non, c'est une question. Ce qu'on avait à encourager pour d'abord à Yokingaï, Nassenga Kiegaka, à répondre, Nassenga, merci, mais courage. Courage, mais zéro pour nous, on est dans la. Ils ont passé la. Il y a des femmes où ils ont passé. Vous voyez bien, moi, bon. Courage. Nassenga, on a arrêté la voix. Merci, papa. Au revoir. Donc, un auditeur en direct des États-Unis, quand même, Balthazar Landabiso. Donc, Balthazar, faire la musique en Afrique ou en France, c'est quoi la différence? Bon, différence, c'est la mentalité, premièrement. Parce que, puisqu'on a beaucoup de bêtises à la musique, bon, on se déroule déjà. Il y a beaucoup de chanteurs qui travaillent. Basalement, moi, un abamo. Donc, on est là-bas, tout est qui est Pessanga et nous, Pessanga des héros. La différence, c'est ça. Après, mon tarot africain, quand il vient ici, à Lukana, nous. Stabilité, Mukanda, bon, ça, tout ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. Donc, on a déjà à voir, ta musique, la biseau, on a un peu de temps qui est le week-end pour faire la musique. Et la Kishasa va faire la musique tous les jours, du lundi au vendredi, comme nous avant, qui nous donne ça à l'amour. Et donc, différence, c'est ça, quoi. Et raisonnement paysanniquement, on ne pense pas de la même façon. Biseau, on passe un contrat, un statistique, on va mettre délai. Mais Misakini, Soazakini a passé à Poto, à Salamamne, à son avocat, à son avocat, ça, mais nous, c'est pas le cas. Donc, la différence, c'est ça. Mais la musique, c'est qu'elle est au moment. Quelle difficulté rencontrez-vous en France en tant qu'artiste immigré? Bon, difficulté, la vie chez Ali, c'est comme on est habitué, il y a tout dans la communauté africaine. Donc, pour mon temps, Limao, c'est vraiment difficile. Pour convaincre mon tout que moi je fais de la bonne musique dans l'année, c'est vraiment difficile. Parce que bah, moi on a absolu tout le temps. Habiter à gauche à mon lieu, habiter à droite à mon lieu. Mais bah, tu es à Potomi, parce que tu es en Afrique, parce que bah, moi on a abandonné. Mais ça, besoin mon abandon, bah, on se tenir bah, pourtant, il y a des talents en France. Tu vois, mais c'est belé. Pour ça, il y en a beaucoup d'artistes. Mon monde a qui soutient, pour pas soutenir l'orchestre, il n'y en a pas vraiment. Surtout dans beaucoup de villes hein, où il y a des chanteurs, ils ont des difficultés. Parce que comme je dis, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps. Il faut que tu prépares un album, il faut que tu aies un coup de pouce, il faut pousser, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Donc sur 100%, il y a un peu de temps, 10%. Même dans tes proches, même dans ma masse, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps qui part au tête. Il y a un peu de 16 ans, vraiment, il y a un peu de masse. Il y a un peu de masse. Il y a un peu de associé, l'empereur Tchatcho Mbala Kashubi. Ah, Badiame Bele, le roi la paraprise à car arrière et Panzani. Mais peut-être ça veut dire. Salon de beauté Mija, chez Mariam Diaby, 262 Allée de la Gare, au Mai sur Seine, en face des Leader Price. Associé, Nangaï, Kalanenge, Monoko, et Boilo Kouta, et refoulé, et Payamiso, Miso Pelo. Mobimba kotelinga ina midi
salon de beauté Mija chez Mariam Diaby. Chez Mariam Diaby, spécialiste de la coiffure afro-antillaise, mèche, tresse, tissage et autres, maquillage, pose d'ongles. Chez Mariam Mija, coiffure homme, femme et enfant. Salon de beauté Mija chez Mariam Diaby. Contact 06 23 74 84 07. Salon de beauté Mija chez Mariam Diaby. Salon de beauté Mija chez Mariam Diaby, 262 allée de la gare au Mai sur Seine, en face des leaders Price. Chez Mariam Diaby, spécialiste de la coiffure afro-antillaise, mèche, tresse, tissage et autres, maquillage, pose d'ongles. Chez Mariam Mija, coiffure homme, femme et enfant. Contact 06 23 74 84 07. Salon de beauté Mija, chez Mariam Diaby. Je suis Mariam Diaby, propriétaire du salon Mija Beauté, 262 de la Lille d'Aga, au Mai sur Seine. Nous sommes ouverts du lundi au samedi, de 9h30 à 19h. Je serai très heureuse de vous accueillir avec toute mon équipe pour vous faire coiffer. Nous faisons des tissages, des tresses, des posons, cils et coupe homme. Le contact, c'est le 06 23 74 84 07. Je vous attends avec impatience et puis à bientôt et merci. Salon de beauté Mija chez Mariam Diaby. Conseil, l'amour des débits jusqu'à la fin, comment ça change.
l'amour au début c'est bien, mais à la fin ça change pas de choses. Et voilà quoi. Nous ne sommes pas tout seuls, Balthazar n'est pas tout seul non plus, il est venu avec son manager, producteur peut-être, je ne sais pas comment l'appeler, lui-même il va se situer, vous êtes producteur ou manager de Balthazar. Ou amis, vous venez aujourd'hui sur le plateau de l'art de Mangimbo pour avoir avec Raissa en tant que producteur ou ami ou manager du groupe Balthazar. Non mais là je viens plus spécialement en tant qu'ami. Ça me gêne un peu de prendre ces titres-là de manager ou producteur. On ne court pas après les titres comme il a dit tout à l'heure, comme Balthazar l'a dit tout à l'heure. Mais moi ce qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est la passion de la musique. C'est plus la passion de la musique. Et c'est un bosseur. C'est un bosseur, vous allez le voir au concert qu'il y aura le 16. Franchement, c'est un passionné. Il faut venir voir ce qu'il fait. Il a du talent. Quoi. Hein? Donc, on est à un tournant de la musique congolaise en ce moment avec tout ce qui se passe dans les secteurs musicaux congolais. Moi, je crois que des talents comme ça, il ne faut pas laisser. Il ne faut pas laisser des talents comme ça. Il faut vraiment venir donner un coup de pouce. Comme moi, j'essaie avec les peu de moyens qu'on a, enfin que j'ai. Il faut donner un coup de pouce pour qu'il puisse apparaître. Au vu aux yeux de tout le monde. Quoi. Mmh. Il a du talent. Mais vous, autant qu'ami, vous ne voulez pas de titre, je ne vais pas mettre de titre sur vos têtes, autant qu'ami, qu'est-ce que vous avez apporté au groupe Balthazar? Quel soutien vous leur avez apporté aujourd'hui? Bon, actuellement, les soutiens, c'est plus un soutien financier. Quoi. Mmh. Donc, moi, quand je suis arrivé, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a tenu par la main quoi, pour dire tiens, tu as du talent. Enfin, au niveau football, quoi, parce que je suis bien connu au niveau football, ici à Mena, surtout à Mena. Et j'avais besoin, rien que passer les talents qu'il a, ça m'a vraiment donné envie de dire, tiens, viens, je vais donner la main, il y a un terrain là-bas, on va aller s'entraîner, on va aller essayer. Hein? Donc, les peu que j'ai dit, ben, c'est ce qui m'a poussé. Quoi. C'est ce qui m'a poussé, mais il faut qu'il s'exprime. Bon, pour s'exprimer, il y a les peu de moyens qu'on a, on peut mettre en jeu bon, pour qu'il puisse avoir un cadre idéal de travail, comme il est fait actuellement au studio Bleu à Château d'Eau. Donc, on essaie d'apporter un petit peu plus pour... C'est un sport aussi, hein, c'est la voix, c'est un sport. Il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il s'entraîne pour produire des bonnes choses derrière. Donc, c'est ma contribution, elle est plus là. Donc c'est plus un frère pour moi, c'est un petit frère, c'est un ami, on se partage pas mal de choses, on se fait pas mal de choses aussi, mais il a du talent. Moi ce qui me plaît, il a du talent ce garçon-là, il faut venir le voir. Moi je veux savoir, vous le soutenez juste pour ce concert du 16 juillet ou vous soutenez la sortie de l'album? Ah non, mais là, moi à mes yeux c'est un garçon sérieux. S'il n'était pas sérieux, il n'allait même pas me voir à ses côtés. Donc, je fonctionne comme ça. Pour moi, il est sérieux, ben, on va faire. On ira jusqu'où on va s'arrêter. Quoi. Hein? On ira le plus loin possible. S'il faut soutenir jusqu'à soutenir l'album, on ira jusqu'au bout. Donc là, pour moi, il est sérieux. Il n'y a pas de raison qu'on le laisse tomber. Quoi. Il faut l'accompagner. Ce garçon-là, il faut l'accompagner autant que vous le faites là actuellement, là, l'oiseau bleu. Donc, vous éclairez un petit peu le ciel avec votre couleur. Merci. Donc il faut apporter cette lumière-là, cette couleur bleue-là. Il faut accompagner ce garçon-là. Il faut l'accompagner, il a du talent, il est sérieux, il est bosseur, il faut l'accompagner. Moi, c'est le seul message que je veux passer aujourd'hui. Et on est à un tournant, quoi. Comme j'ai dit, la musique congolaise, c'est un jeune talent. Il a son cachet à lui. Donc il faut absolument les soutenir. Là, je lance un avis à tous ceux qui nous entendent, qui nous écoutent là en ce moment-là. Balthazar a du talent, il faut les soutenir. Voilà. Et l'appel est lancé. Merci. Donc, Balthazar, de vous à moi, on va compter combien de ma banga dans votre prochain album et pourquoi c'était toujours des noms des personnes que vous n'avez jamais eu parfois la chance de voir ou de serrer la main. Et c'est une façon des artistes d'espérer accéder facilement dans tel ou tel milieu et pourquoi faire aussi l'apologie de certains dictateurs dans vos chansons.
Donc, notre album, maman, comme on dit, mm-hmm. hein, pieds, dédicace. Oui. Dédicace. Oui. Bon, on va dédicacer des gens. Mm-hmm. Il y a des morceaux où on va dédicacer des gens. Mm-hmm. Et il y a des morceaux où on ne peut pas dédicacer les gens. Mm-hmm. C'est des morceaux qui laissent les gens écouter la musique. Quel genre de personnes vous allez dédicacer dans votre album? C'est ce qu'on vient de dire. Parce qu'il y a des fois des artistes qui dédicacent des personnes qui ne les connaissent même pas. Juste pour que cette personne-là qui est dans un milieu puisse ouais. savoir qu'il y a tel artiste qui a Boakingaï, donc il faut qu'il y en aille. Ouais. Bon, nous, dans notre groupe, ce n'est pas les problèmes des sentiments, c'est notre boulot. Mm-hmm. Les gens vont faire un pas pour la vie. Donc, si on t'a promis, tu bien, tu fais son boulot aussi. Mais c'est pas que moi je te connais pas, non. Il faut qu'on se connaisse d'abord, tu me soutenir dans le boulot. Après, la monde qui c'est bon, moi, c'est au Libanga. C'est tout comme si on peut faire l'album qu'on veut le faire sans Libanga. Mais tu es bien vieux de l'eau. Donc voilà. Mais tu as dédicacé tout. Il y a des chansons, on ne peut pas dédicacer les gens. D'accord, voilà. Ok. L'idéal pour un artiste comme vous, c'est quoi? Composer des chansons qui vont résister aux érosions du temps, comme Indépendance Tcha-Tcha-Tcha de Kakale, ou bien faire la musique saisonnière à peine sortie, on n'en parle plus après une semaine. Parce que yo album n'a eu aux espérés ni que aux artistes moko aux nouveaux salades. Au sein de même album moko et qui est sur le temps, ou bien au salé album, déjà nous avons salé album, nous avons déjà invité les gens pour parler de l'album Moussousou. Les artistes, nous avons dit que nous avons 100 000 albums, nous avons 8 000. Donc, si ça nous coûte, pour ça, nous avons une coûte estérité, Moussousou est 8 000 sur le marché. Ouais, bon, on a beaucoup de chansons déjà, toi, Banzé Mouébélé, que j'ai écrit moi-même. Banzé Mouébélé, tu vois, ou Télé, tout à l'heure dans la radio, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais c'est surtout, on a lancé la musique pour qu'elle soit dans l'éducatif. Et la musique, moi, que ça passe comme ça. Il y a musique moko montaro par exemple le lobby y a ta vingt ans chérie naie ma soeur naie qui a tiré en haut et puis c'est mon conseil pour nous soigner c'est moninga donc on dit moment dans ça l'angoir donc après pour sortir un album c'est on va s'organiser à couper les nombres de chansons non sous bandit on sort 1000 on sort 1000 sous bandit on sort 2 on sort 2 parce que on dit moza l'ango mais on dit moto ça vraiment c'est éducatif y a pas conseil ok sous on va tout aujourd'hui, Yo Balthazar, quel genre de musique vous carrément? Bon, on a tout, hein, rien du tout. Hein, tout les musiques qui se passent, hein, tous les albums qui sortent, tout, non, il passe en bateau, il en a. Pour apprendre aussi les choses qui. Bah, nous avons aimé, donc on aura tout dans Minele, donc au moins Minele, tout dans Minele, bien sûr. Ça, c'est pas un souci. Aujourd'hui, si le Bukabuya à Benguio, tu peux encore s'associer avec lui? Ça, c'est mon vieil, c'est comme un grand frère. La musique, on est déjà à côté, c'est comme un grand frère. Donc, je l'ai salué personnellement au Canada, parce qu'il habite plus en France. À moi, au Canada, je l'ai salué vraiment, c'est mon vieil propre. Donc, celui qui vient le monde qui a dans le boulot, et c'est une petite naïa. Moi, je suis là, on se parle tout le temps. La Benguia, là, ok, il est là, ça, les liés, le voisin ont besoin. Gratuitement, c'est la famille. C'est la famille. Mais l'album n'a pas eu ça, l'eau préparé, bien un concert n'a eu au bêta. Moni Batna Bafiche, on les connaît pas tous, hein, les jeunes filles là. Est-ce que Batou, parce que comme on a moi, tu peux dire, ah lui on dirait la Mouna et la Boumoubou. Est-ce que ça va Batou, il y a Yomoko ou bien Batou, dans un groupe, non, ou t'as orchestre, nous sous. Oui, Bamisset, tout dans l'orchestre, c'est mes chanteurs, à part quelques amis qui me donnent des coups de pouce qui viennent des temps à autre. Et les musiciens en gros, bah tout basé en orchestre, il y en a qui ont commencé chez moi. Mm-hmm. Et il y en a un sous ou à Banda qui fait l'orchestre en sous. Et donc, il y a beaucoup de personnes orchestre en gros. Donc, il y en a au moins 2 ou 4 personnes. Ou à Banda, l'orchestre en sous, puis Bani, de gauche à droite, mais basé en gros, travail en gros. Mais ça, en sous, puis à Banda, pas en gros, basé en gros. Donc, ce que je vais faire, les 16, tous en gros, et puis il y a mon abango en personne. Et comme ça, on se rend à Bango, puis voilà, pas de problème. Aujourd'hui, je suis un artiste, Quel conseil, en tant qu'artiste, vous pouvez faire dans le temps de l'artiste? Je suis un artiste.
Enfin, revenons vraiment à ce qui vraiment qui a fait qu'aujourd'hui Balthazar ouya faire affaire à Oiseau Bleu. Il y a quand même concert na yo, prochain concert na yo, il y a week-end prochain. Donc Ozo au préparer nini. Bah pour c'est vrai que bah devenir bah ben bah poser question là. Tant va me souffler bah yo qui était au bête bah Ozo on arrête. Ozo qu'est-ce Ozo promettre bah auditeur nini. Ozo promettre bah tout bah voyez la concert Ozo promettre bah nini. Dans Robina nini surprise nini ou bah voyez quand même beaucoup d'argent na Balthazar. Bon, la promette est déjà na bah rumba. Il y a des rumbas extraordinaires. Déjà le mettre tout à l'heure. Qu'est-ce que tu appelles le rhume extraordinaire? Parce que le rhume extraordinaire est ça. Faire la bête à un rhume extraordinaire, ou pas la bête à un rhume extraordinaire, faillir un rhume extraordinaire. Est-ce que tu as un répertoire, il y a un rhume extraordinaire? Tous les rhumes que je cite, c'est des rhumes extraordinaires. Donc on appelle ça un rhume extraordinaire parmi les extraordinaires qui disent. Donc, tu sors pas du coma, tu sors pas du coma, vous avez toujours la tâche à rhume. Obligé. La rhume, mais modéré d'une autre façon. Il y a un hype. Mais tu vas m'en sentir ma vie, la salle. Bah après, dans le concert, on a promettait vraiment les tibas. Donc, vous parlez, bon, par combattant, on dit que toi, tu n'es pas concerné par ça, mais les combattants aujourd'hui, ils vont s'attaquer à pratiquement tous les musiciens. Vous parlez, parce que nous, tout le monde, ah, tu es concerné, tu es concerné, les autres, les cas, ouais, on menace les autres. Ou quoi, tu es concerné, ou bien, tu es concerné, ou sécurité, ça. Pour le battre, tu es concerné, tu es concerné, tu es concerné. Donc, tout le monde a prévenu mal à quelque chose. On a un concert, souvent on a la volonté de déranger nous de la mission. Il y a la boule là, on se dit, on est mais, puisque on met ce concert sur calmement, et on a tiré un peu d'appétit, et on a peut-être développé. Et si, il est là, décision, on ne travaille pas là-bas. Voilà. Bon, l'émission est pratiquement arrivée à la fin. Quelle perspective d'avenir? Vous avez l'avenir prochain? Bon,
Merci d'être venu à Rico Verso. Votre message de fin pour vos fans et aux auditeurs de Manguembo qui aiment la rumba congolaise, qui sont déçus de ce qu'ils écoutent aujourd'hui dans vos chansons, regardez dans les clips des autres artistes. Qu'est-ce que tu peux leur dire, le mot de la fin, pour leur intéresser pour le concert qui est à venir? Ouais, là, remercie vraiment Radio Manguembo et Amibiso Lelo. Ils ont vraiment essayé trop. Donc, première fois, au c'est un Amibiso Batazi qui est à la radio. Et ça, ça va trop. Et il a remercié Batou pour poser ma question, pour intéresser ma camnabiso et l'orchestre. Donc, il a oisoblé, sa femme a oisoblé. Il a signé le terrain de Golo, on a déjà blagué. Il faut les gagner à Awa. Passage obligé. Voilà. Ah, oui. Donc, c'est moi tout là, faire un abisso, puis à Zofimé, puis à Bruno. Donc, là, c'est moi trop. Tout continue à avoir bon support. Puis, il y a des gens qui ont à Melun. Et voilà, tout dans la Melun. Tout est à son maçon, on a vécu le bélé. Ça va bien. D'accord. Voilà. Ben, quant à moi, les auditeurs, je vais vous faire un peu le capot de ce qui, tout ce qui s'est passé. Donc, on a parlé, j'ai reçu Balthazar, du groupe Balthazi, comme Balthazar qui va se produire ce samedi 16 juillet chez Viedodo. Pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, Viedodo se trouve à Damary-le-Lys, quai Voltaire. Au 249 quai Voltaire, juste à l'entrée de Damary-le-Lys. Donc voilà, ce samedi, le samedi prochain, je vous conviens vraiment à venir soutenir Balthazar. Balthazar est un musicien, comme je viens de le dire. Il vient du groupe, le groupe de Le Boukabouya, quartier latin intégral. Donc il vous promet qu'il va casser la baraque. Et il promet des choses. Ça ne sera pas Bandimbo de Tosan, habitude à Oyoka, Bamabanga, tout ça. On promet Baboum, Bamouko mélanger un peu la bazouk, de Boutukoyoka. Je vous fais encore repasser. Nous avons parlé notamment aussi de la Sokoda. La Sokoda qui a pris vraiment la place de la Sokona. Sonaka n'existe plus du tout. Nous avons donné aussi des nouvelles de King Kester qui se trouve exactement à Kinshasa, à Bandundu, Kikwiti, où il a été remercié son public qui lui ont soutenu pendant sa période de maladie. Et nous avons donné aussi les nouvelles de Félix Wazekwa qui va être la semaine prochaine à Kinshasa pour la préparation de son concert du 29. Et notamment, il y a deux de ses musiciens qui ont quitté le groupe. Et le chanteur Guilin Essabak, lui, carrément, a changé de bord. Il s'est maintenant converti à la musique chrétienne. Et Werason aussi a dû rentrer au pays parce que tous les projets qu'il avait prévu de faire ici n'a pas tenu lieu par rapport aux menaces qu'il a eues et l'insécurité qu'il avait par rapport aux combattants, vous le savez tous. Donc ce samedi, ce week-end, il va se trouver à Brazzaville pour le festival, le FESPA qui va se dérouler aujourd'hui à Brazzaville. Et nous avons aussi les nouvelles de Mbuta Machakado, l'enterrement de Mbuta Machakado qui a eu lieu le mardi dernier. Et on a parlé des artistes qui sont rendus à ces obsèques-là. Notamment, il y a eu Papa Wimba, tout le clan de Zaïko et le clan Wenge, du côté du clan Wenge de la nouvelle génération, il n'y a eu que Tatamobich et Balthazar, mon invité. Comme je répète encore, samedi prochain, Balthazar va casser la baraque. Balthazar, peut-être, a quelque chose à rajouter. Ouais, tout ça, sur la concerne à Evry, au courant. Donc, bientôt, on signe le contrat du monde. Demain et toi la concerne l'Allemagne le 8 août et toi la concerne le 6 août pardon l'Allemagne tombe à l'arène et tombe à sous le 25 août na Zamba la colonne. Merci beaucoup à tout le monde. J'ai juste un dernier message à passer, c'est juste à remercier toute l'équipe Radio Manguembo et notamment la belle l'oiseau bleu encore une fois. Merci beaucoup. Et
Le dernier message, ce sera à remercier toutes les personnes des près ou des loin qui assistent, qui soutiennent l'œuvre des Balthazar, notamment DJ Rameau, que je tiens à remercier plus particulièrement pardon, pour son aide vraiment morale et matérielle qu'il apporte au groupe Balthazique. Et je voudrais lui dire Mbotenayo Didier Rameau. Merci beaucoup encore. Merci. Bon, on va pas se quitter comme ça. Ce week-end, il y a plein de choses qui est prévues. Notamment, j'ai les week-ends. Il y a le 14 juillet, c'est la fête nationale. Donc, Terrasse Maluku chez Vieux Benoît, il promet plein de choses. Donc, il vous promet jeudi 14 juillet, il y a la terrasse qui est ouverte. Le vendredi 15 aussi, il est ouvert. Le samedi 16 aussi, jusqu'au dimanche. Donc, l'ouverture va être du 14 jusqu'au 17. Et il y aura une formule spéciale. Peut-être que j'aurai l'occasion de l'avoir lui-même. Il va vous expliquer tout ça. Ce dimanche à 15h. Le Boko Yamama Mami, donc le gros Benga, la téléphone au 06 23 40 36 44. Benga, maman, mamie, pour la Pissabino, programme na Nyo Toro et Rolika. Il y a week-end à partir du 14, jeudi 14, donc on va déjà le week-end parce que ça sera un jour férié jusqu'au dimanche 17. Donc voilà pour Benoît 16, Terrasse Maluku. Et ce dimanche, demain, il y a les terrains, vous savez, il y a des terrains à Melun, il y a le terrain, notamment le terrain de Assadam qui se déroule à Damary-le-Lys. Je pense que Balthazar va s'y rendre. Ceux qui veulent voir à quoi il ressemble un beau gars, à ceux qui veulent voir à quoi il ressemble peuvent toujours se rendre à ce terrain de Damary-le-Lys. Damary-le-Lys, le terrain de Assadam. Et il y a aussi le terrain de Baébaté qui se déroule à Lalmont. Et voilà pour les nouvelles. Chez Vidodo, toujours le vendredi à dimanche, il y a des concerts qui se déroulent là-bas. Ceux qui suivent la radio Manguembo, ils ont dû entendre la publicité de ces festivités. Quant à moi, je vous dis au revoir à tous ceux qui aiment la radio Manguembo. Un grand bisou et notamment à mon vieux, Eddie Makoutima, sans oublier Natacha Makoutima. Des gros bisous. Et mes bas montres, Léon Manadia, je vous ai donné mes condoléances et à Guérambo. À samedi prochain, on se retrouve sur l'antenne de Radio Manguembo, même heure, même endroit.